Bienvenue dans le Moscaland. Alors, mon vieux domestique, qu'est-ce qui se passe dans mon royaume? C'est un grand jour. C'est un grand jour parce que ça fait des semaines qu'on l'attend. Et ça y est, elle est arrivée. La nouvelle pub pour le Cantal. Alors, vous ne l'avez certainement pas encore vue ou entendue. Essayez donc de reconnaître l'acteur principal. Et alors, comment il va le Cantal aujourd'hui? Oh, il va bien. Il va très bien. Respect des fondamentaux, fondant, généreux. Ça sent la fleur de montagne. Et quel tempérament! Le Cantal, ça t'affole les papilles, ça te file une secousse, t'es cueilli comme une pâquerette. Oh la vache! Je ne te permets pas. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Les filles, je m'appelle pas Chantal. Non! Bien! Yeah. T'as reconnu Eric, non? Ah ouais! Grand numéro d'acteur, bravo Vincent. Merci mon petit poulet. Alors ça c'est la version courte. Et c'est toi qui fais le bruit de la vache ou c'est une vraie vache? Ah non, je fais tout. Fais tout. Parce que les vaches avaient demandé un cachet. Tu es le Rémi Bricard de la pub. Elles avaient demandé un cachet un peu plus. C'est un peu trop élevé. Donc c'est Thomas Lombard, Denis Charvet et Serge Chimon qui font les vaches. C'est ça. Demande à la version longue. Ah bon, il y a plus long que ça? Ah oui. Il y a pas mal. Il y a 7-8 petites pastilles. D'accord. Différentes. Et ça va sortir où alors? Est-ce que c'est la version à la télé? D'accord. Sort à la télé, puis il y a quelques pastilles qui sortent bien sûr sur internet. Mais écoute, c'est fait par la Guy, mise en scène par la Guy. Ah d'accord. On a passé 2 jours très sympas dans le Cantal au Royac avec des mecs qui étaient bonnards. Il y avait que des mecs et les vaches, donc. Ça devient un peu terrible. Non, c'est affreux ce que tu dis. Mais quoi, j'ai rien dit, moi. Je ne te permets pas. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Je ne te permets pas, Eric. Je connais les valeurs du rugby, c'est tout. Alors, je te permets pas une belle langue de veau.